sommes en pleine opération Mwasi Ngengisa. Donc sur le lancement de l'opération Mwasi Ngengisa, une façon de faire le salongo de chaque samedi autrement. Vous savez bien que c'est la femme, la première gouverneure de la ville de Kinshasa, Maman Zouzou Mbombo, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, qui avait bien travaillé et qui avait instauré le système de salongo de chaque samedi. Voilà pourquoi nous venons récupérer la situation, nous, le mouvement international des femmes d'amis d'Afrique. Donc, à travers l'opération Mwasi Ngengisa Kinshasa, donc faire le salongo autrement. Nous venons lancer cette opération aujourd'hui pour lancer un message fort à tous les Kinois qui nous suivent aujourd'hui, que le salongo n'est pas seulement de fermer son magasin, de fermer sa boutique, mais c'est aussi faire réellement ce salongo-là. Que le salongo ne soit plus le salongo fantaisiste, que ce soit réellement le salongo d'assainir la ville de Kinshasa. Alors nous, en tant que candidates aujourd'hui aussi, nous venons communiquer à travers nos actions pour déjà faire passer le message que si aujourd'hui nous récupérons la ville, nous les mamans, nous allons encore reprendre l'héritage que Maman Zouzou Mbombo nous avait laissé, cet héritage de la ville qui chasse sa propre sans poubelle. Les caniveaux ne sont pas des poubelles, les routes ne sont pas des poubelles, nos avenues ne sont pas des poubelles. Nous devons balayer, assainir la ville pour protéger d'abord notre santé et aussi être fiers de notre ville capitale, Kinshasa. Nous rendons aussi grâce à Dieu de nous avoir donné un président qui a le souci de voir la femme participer activement, qui a compris que la femme est une vraie actrice du développement. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a honorés en nommant pour toute la première fois de l'histoire de la RDC une femme à la tête du gouvernement, une femme première ministre. Donc nous lui disons vraiment merci. Voilà pourquoi nous voulons prendre aussi, entrer dans cet élan-là. Nous avons aussi postulé pour le gouverneur de la ville de Kinshasa et nous allons le soutenir, nous les mamans. Donc que c'est son idée, donc il faut que ma maman a possible son confiance. Il peut aussi compter sur nous. Il peut compter sur nous pour assainir cette ville, pour rendre cette ville, sortir cette ville de la pauvreté. Parce que tout ce que nous voyons aussi, c'est la conséquence de la pauvreté. Cette pauvreté mentale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique et matérielle. Voilà pourquoi nous, femmes, nous sommes dit, on ne peut pas rester comme observatrices, mais nous voulons aussi répondre à l'appel du chef d'État qui veut voir les femmes participer activement au développement de la RDC et particulièrement à celui de la ville de Kinshasa.